caché. Laissez-le avec le sortir de ton flanc versé, être bien-aimé Père Céleste, Olingami, Tata Olikolo, voici dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés pour t'adorer. Tu nous as gardés depuis que nous nous sommes séparés. Et voilà que tu as encore gardé le souffle de vie pour que nous puissions nous réunir ce soir. Bénis tes enfants. Et chacun est venu avec un désir dans son cœur. Nous sommes des hommes et des femmes dans le besoin. Et toi, Seigneur, tu as promis de pourvoir à nos besoins. Et nous te prions, Seigneur notre Dieu, que tu accordes cela à chacun de nous. Et surtout nous aider à comprendre, Seigneur, ce grand sujet. Que tu puisses donner à chacun une révélation. Comme Adam a eu la révélation du mariage. Seigneur Dieu, nous les enfants d'Adam, rachetés par le sang du Seigneur Jésus-Christ, que tu donnes aussi à chacun cette révélation. Et surtout que ce problème du mariage, c'est un signe, un des grands signes de la fin. C'est à cause du mariage que cela a marqué la fin de l'Éden. Ils ont été chassés. Cette civilisation, cette ville dans l'Éden s'est terminée. Au temps de Noé, le mariage Libala a été le signe de la fin. C'est cela qui a marqué la fin. Bien-aimé Seigneur, au temps de Salomon, ça a marqué la fin. Et au temps de Samson, c'était la fin. Au temps d'Eli et ses enfants, ça a marqué la fin. Et Seigneur Dieu, tu as dit ce qui est arrivé en ces temps-là sera de nouveau. Ça reviendra encore au temps du Fils. Père bien-aimé, aide-nous Seigneur, si dans tous ces sages-là, ceux qui ont pris la bonne position, oh Dieu, ils ont reçu la révélation. Aide-nous aussi, surtout nous qui sommes arrivés à la fin, avec tous ces types de la Bible qui ont marqué la fin pendant tout ce temps. Au temps de Lot, c'était les problèmes de mariage. Sois miséricordieux afin que par la révélation de ce message, nous soyons trouvés parmi ceux-là que toi tu as choisi. Nous abandonnons entre ton main alors que le diable et toute son armée déploient toutes ses forces et toute sa puissance pour détruire le mariage, détruire la famille, afin de pouvoir arracher toutes les bénédictions qui sont sur les enfants de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide tes enfants. Aide ton peuple. Remettons-toi entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous allons nous tenir debout et lire dans Matthieu au chapitre 11. Verset 16 jusqu'au verset 19. Kino zomi na libwa. À qui comparais-je cette génération? Allons-y. À qui comparerais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors, ok, Matthieu 24. Matthieu 24. Verset 32. Jusqu'au verset 39. 32 à 39. Allons-y. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez de toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se détournèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On va terminer avec Néhémie. Donc aussi, c'est Néhémie. Néhémie au chapitre 4. Néhémie, Mokapouami Néhi. 1. Jusqu'au verset 9. Téni Aliboso, Kino Yalibo. Néhémie, chapitre 4. Néhémie, Mokapouami Néhi. Lorsque Sambalat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant les frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-le au pillage sur une terre où ils sont captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de la hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Assyriens
furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous pour nous défendre contre leurs attaques. Merci, merci beaucoup. Matondi Mingi. Le mariage, donc, c'est une grande prophétie pour les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Libala ezali lesakoli monene pour ntango o kasi yango tozali kobika. C'est un grand signe pour le temps de la fin. Elembo monene pour ntango ya suka. Un signe auquel nous devons vraiment veiller et faire très très attention. Elembo o tsin ko sinja likona yango pe ko sala keba mingi. Beaucoup prier pour que le Seigneur nous donne la révélation. Et la bénédiction qui suit cette révélation. Parce que comme nous l'avons vu, derrière aussi il y a une grande malédiction. Et un grand jugement derrière. Nous sommes au temps de la fin. Nous venons de lire dans Matthieu chapitre 11. Après avoir parlé de Malachie 4, il a parlé de Malachie 4. Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Et il a montré à qui il pouvait comparer cette génération. Des enfants assis sur des places publiques qui s'adressant à d'autres enfants disent, nous vous avons joué de la flûte. Vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Ils ont dit, il a un démon. Quand on chante, on a besoin que ceux qui écoutent la musique puissent comprendre la symphonie de la musique, le rythme de la musique. Et ils sont en train de bouger leur tête. Bouger leurs pieds, en train de danser, pour montrer qu'ils sont en train d'apprécier la musique qu'ils entendent. Et ils suivent, ils sont dans l'harmonie. À qui comparer cette génération? On joue la musique. Mais vous n'avez pas dansé. Vous n'avez pas suivi. Et nous avons chanté des complaintes. Des complaintes. Et vous n'êtes pas lamenté. Pour montrer que quand on est dans la tristesse, on chante. Au lieu de pleurer, au lieu aussi de vous lamenter, vous ne suivez pas. Quand on est dans la joie, cette génération ne suit pas. Et c'est ainsi que Jean est venu, ils n'ont pas cru en Jean. Et voilà, le Fils de l'homme vient aussi, ils n'ont pas cru en lui.
c'était la génération où Jésus était venu. Et dans Matthieu 24, Jésus va comparer cette génération du Fils de l'homme, la génération parce qu'on lui avait demandé de répondre quel est le signe de son avènement. Seigneur, quel est le signe de ta venue? Dis-nous un peu, comment nous allons reconnaître que ta venue est là, ta venue est proche, l'enlèvement est proche? Pour ce qui est 10 jours et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Mais, Kasi, si vous voulez vraiment connaître ce temps-là, ce qui est arrivé du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand vous verrez les choses qui sont arrivées au temps de Noé, vous voyez les mêmes choses s'accomplir dans votre temps, sachez que c'est le moment, c'est le temps. Seigneur Jésus va nous donner des signes assez concrets, assez visibles, compréhensibles. Le temps de Noé vont retourner encore. Dans les jours qui précédèrent les déluges, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Avant la destruction du temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient aussi leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et pendant tout ce temps, Noé était en train de parler, de parler, de parler. Même les animaux ont compris le message, ils sont venus entrer dans l'arche. Les animaux ont senti le danger. Et les voilà entrant mâle et femelle. Même les animaux ont compris le message. Parce que chez les hommes là-bas, il y avait une perversion. Il y avait la débauche, l'impudicité. Les fils de Dieu pouvaient aller avec plusieurs femmes. Les filles du monde avaient complètement corrompu la morale. Et voilà, Pétala, Noé va entrer dans l'arche avec ses enfants. Mâle et femelle. Tous les animaux. Mâle et femelle. Pour reproduire la famille. Exactement comme Dieu avait créé les choses. Dans la Genèse, l'homme a créé l'homme et la femme, des animaux mâles et femelles. Et on voit qu'il y a une restauration de ce que Dieu a fait dans la Genèse.
Ils ne se doutèrent de rien. Bango babeta ki temene loko mon côté. Ça ne leur disait absolument rien. Et yebisa elobela ki bango loko mon côté. Ils ne croyaient même pas que ça va arriver. Bandima ki atate te ko salema. Jusqu'à ce que le déluge vienne, les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et aujourd'hui, nous avons vu devant nous le ministère du Fils de l'homme se manifester. Nous avons vu dans le ministère de William Branham comment Dieu s'est manifesté lui-même. Comment Dieu a discerner les pensées du cœur. Nous avons vu les grands miracles que Dieu a accomplis. Nous voyons ce qui est arrivé au temps de Lot. Dans Luc au chapitre 17. Luc au chapitre 17. Verset 26. Commençons au verset 22. Luc 17, 22. Allons-y. Ce qui arrive. Ce qui arriva du temps de Lot. Oui, c'est la même qui attend on a Lot. Les gens s'amusaient. Bah, kosakana, faisaient n'importe quoi. Bah, nyon, soit l'homosexualité avait atteint un niveau très haut, très élevé. Bah, si mi kobala na, et no, Lot est sorti de Sodome. Bah, Lot abima ki na Sodome. Et même ses propres enfants. Bah, tabana na ye moko. Les autres enfants, ses gendres, femmes sont morts. Bakufaki. Et il est sorti avec ses deux filles. Pe abimaki na bana ya basimi balé. Le mariage. Libala. Ça marquait la fin. Et tiaki suka. Dans l'Éden. L'Éden. C'était les problèmes du mariage. Zaki likambo ya libala. Comme je l'ai dit. Le grand lobaki yango. Dans des Sodome. Attends on a Sodome. C'est les problèmes du mariage. Zaki likambo ya libala. Avec Samson. Na Samson. Pour terminer le livre des juges. C'est le dernier juge. C'est le problème du mariage. Au temps d'Élie. Pour la fin de son sacerdoce. Ça s'est terminé avec le comportement de ses enfants. Concernant le mariage. Salomon. C'était le problème du mariage. Et Jésus dit. Ce qui est arrivé en ces temps-là. Nous allons comparer ces temps-là avec ce qui arrive aujourd'hui. Il a comparé toutes ces générations à ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, il faut que les gens de ce temps de la fin, en écoutant cette trompette, en écoutant ce message, en voyant ce qui se passe aujourd'hui, et comparer cela avec ce qui s'est passé dans ces âges-là, ils puissent tirer des leçons.
pour que, comme Jésus l'a dit, si c'est la musique, une bonne musique, que vous écoutez, vous devriez agir. Vous devez danser. Si ce sont des lamentations, on doit pleurer. Pour montrer que on est en train de comprendre le message. Comme Frère Branham l'a prêché, entendre, reconnaître et agir sur la parole. Tu as entendu, tu as vu, tu comprends et tu dois agir sur base de la parole. Il a prêché convaincu et puis ça me concerne. J'ai entendu, j'ai vu, je suis convaincu. Maintenant, ça devient mon problème. Maintenant, je dois agir sur base de ce que j'ai entendu. Même si aujourd'hui, le message est là, les événements sont là et les gens ne réagissent pas sur base de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera demain. Et Jésus, disant à ses disciples concernant ce qui doit arriver à Jérusalem, vous verrez l'abomination, Matthieu 24, verset 15. Vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. C'est Matthieu 24. Mais ici, cette partie concernait les Juifs. Comment Jérusalem sera détruite? Comment ils vont se disperser dans le monde entier? Ça, c'était la prophétie concernant les Juifs. Ce qui nous concerne, ce qui est arrivé au temps de Noé, arrivera dans notre temps. Ce qui est arrivé au temps de Lot, arrivera dans notre temps. Mais en ce qui le concernait, ce que Daniel avait dit, dans Daniel au chapitre 9, ce que Daniel avait dit, ça va s'accomplir. Voilà ce que vous allez voir. Les Romains vont entrer. Ils vont envahir la ville. Ça, c'est ce qu'il a dit dans Luc au chapitre, pour que vous puissiez quand même avoir des références. Luc chapitre 21, verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Quand on doit commencer au verset 20, excusez-moi.
Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Et c'est ce que Jésus a dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, vous verrez Jérusalem investi par des armées. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre sa peuple. Le peuple juif, ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ça c'était pour eux. Et Jésus leur dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Vous allez voir ces choses qui vont venir. Alors vous priez pour que vous ne puissiez pas mourir pendant ce temps-là, pour que vous ne puissiez pas périr pendant cette période-là, et que vous puissiez fuir et prier pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, que ces événements n'arrivent pas en hiver, parce qu'il y aura de la glace, vous serez difficile à sortir. Priez aussi pour que ça ne soit pas pendant le sabbat, que ça ne soit pas un vendredi, que ça ne soit pas un jour de jubilé. Priez Dieu pour que ce malheur-là, ça va venir. Ne priez pas pour que ça ne vienne pas, parce que ça va venir. Mais priez pour que Dieu vous épargne, pour que Dieu puisse vous garder, et que quand les armées vont entrer, vous commencez à envahir la ville, à détruire la ville, que vous soyez déjà dehors. Priez pour que quand ça va venir, vous ne soyez pas là. Priez pour que quand le déluge viendra, vous ne soyez pas dehors. Vous soyez à l'intérieur de l'arche. Priez pour que quand Jérusalem sera détruite, vous soyez dehors. Et ils priaient. Ils ont entendu le son de la trompette. Ils ont entendu les avertissements. Et ils ont dansé en fonction de la musique. Ils se sont lamentés en fonction de la musique. Et aujourd'hui, ça doit être la même chose. Et Frère Branham dit dans les sons confus, page de 1960. Frère Branham dit, quand Titus, par exemple, 172, quand Titus a assiégé les murs de Jérusalem, quand il l'a investi par des armées, tous ces soldats bien entraînés, Jésus, pendant qu'il était assis sur la montagne, il a dit,
Quand vous verrez Jérusalem investi par des armées, que celui qui est dans les champs ne retourne pas à la maison prendre son manteau. Vous voyez la destruction qui commence. Moi, je vais rentrer pour prendre ceci. Non, ne retournez plus. Que celui qui est dans la maison ne monte pas sur le toit. Ou n'en descende pas. Mais fuyez dans les montagnes. Car il y aura un temps de détresse. On va détruire beaucoup de gens. Alors, considérez ce que toutes les grandes églises dénominationnelles ont dit. Quand ils ont vu Titus avancer, ils ont dit, bon, allons à la maison du Seigneur pour prier. La madame dit, c'était trop tard. On ne leur a pas dit, quand vous allez voir, ça vient. Maintenant, vous commencez à prier. Vous priez avant que ces choses n'arrivent. Pour que vous ne soyez pas pris dans le piège. Pour que vous sachiez quand il faut fuir. N'attendez pas quand vous allez voir les choses, vous commencez à demander, oh Dieu, aide-nous. Et les autres qui n'avaient pas entendu ce que Jésus a dit, beaucoup n'ont pas entendu. Jésus parlait simplement à ses disciples. Jésus parlait à ceux qui avaient cru. C'est eux qui savaient que cette prophétie va s'accomplir. Qui a entendu? Jean a entendu. Et Marie a entendu. Marie a pas yokaki. Tous les autres ils ont entendu. Quand les autres ont cru, Pierre a rapporté ça aux 3000 qui ont cru. Quand ils sont devenus 5000, Pierre a dit ça aux 5000. Et il priait, Seigneur, cette ville va être détruite. Seigneur, ce que Daniel avait dit, Daniel alobaki, ça va arriver. Oh Dieu, aide-nous pour que avant que ces armées ne détruisent la ville, que nous soyons dehors. Ils ont prié pour ça. Mais les autres, ils ne savaient absolument rien. Et les disciples, ils ont prié. Quand ils ont vu juste des mouvements, quand les soldats commençaient à entrer pour prendre position dans la ville, dès que les apôtres ont vu ces signes-là, ils se sont dit, voilà ce que Jésus avait dit. Nous devons danser. Nous devons réagir conformément à ce que Jésus nous a dit. Et qu'est-ce qu'il nous avait dit? De quitter la ville. C'était un son confus pour les sacrificateurs. C'était un son confus pour l'église. Pour les pharisiens. Pour les pharisiens. Les sadducéens. Les sacrificateurs. Ils ne comprenaient rien. Ils voyaient les Romains prendre position. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, pourquoi ça? Bon, allons au temple. Allons prier. Pour que Dieu les chasse. Parce que quand vous lisez l'histoire, les Juifs se sont opposés aux Romains.
C'est ce qui a amené même qu'on on brûle le temple. S'il ne s'était pas opposé, peut-être les choses allaient être autrement. Mais ils ont combattu. Non. Nous n'allons pas laisser. Dieu, il est avec nous. Dieu va nous assister. Ils ont prié. Ils priaient dans le temple. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, oh, il va nous protéger. Les pharisiens sont allés prier. Les sadducéens sont allés prier. Mais cette prière-là, contre la volonté de Dieu, ne marchera pas. La volonté de Dieu, c'était que ça va être détruit. Parce qu'ils ont crucifié Jésus. Parce que le peuple a rejeté Dieu. Ça devait arriver. À ce moment-là, la prière n'était pas de demander à Dieu pour détruire les Romains. La prière, c'était de fuir. La prière, c'était de demander à Dieu d'avoir la force pour sortir de la ville. Mais il pouvait être là, oh Dieu, donnez-nous la force pour vaincre. Il n'y aura rien. Mais pour ceux qui avaient été entraînés à la voix de Jésus, ils se sont enfuis dans les montagnes aussi vite que possible. Et ce sont le seul qui avait survécu. Me suivez. Les seuls qui avaient survécu. Ils avaient bien compris le message. Et ce qu'il fallait faire. Et ils ont fait ce que Jésus leur avait demandé de faire. Et ils sont sortis de la ville. Ils ne sont pas restés, bon, oh, prions le Seigneur pour que les miracles s'accomplissent. Non, le miracle en ces temps-là, ce n'était pas de rester dans votre maison. Le miracle, c'était de sortir et de se retrouver en dehors. Et ils avaient bien compris le message. Laissons Lolaka fouiller la ville. Là, si Jésus ne leur en avait pas parlé, ni donné cette formation, comment aurait-il su qu'il fallait s'enfuir? Jésus l'a dit, fuyez. Quand vous verrez, fuyez. Voilà ce que vous devriez faire. Et ainsi, ce qu'il faisait. Oh frère, Bandeko, puisse le Saint-Esprit entrer dans nos cœurs. Nous donner par les sons. Par le battement du Saint-Esprit, nous donner le son par le battement du Saint-Esprit et de sa puissance. Il n'y a que cela qui sera en mesure de survivre. Ce son de la trompette de Dieu et nos cœurs préparés pour cette heure pour savoir ce qu'il faut faire. Pour savoir ce qu'il y a à faire. Ce qui est arrivé au temps de Noé. Ce qui est arrivé au temps de Lot. Ça doit revenir. Alors vous, peuple de Dieu. Qu'est-ce que vous devriez faire? Vous allez répéter ce qui est arrivé là-bas.
Ou bien vous connaissez le son de la trompette et ce qu'il y a à faire. Si vous répétez ce qui est arrivé là-bas, vous allez périr. Si vous répétez ce qui est arrivé en ce temps-là, vous allez périr. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va vous envoyer un message pour vous dire, regardez, au temps de Noé, ce qui est arrivé. Regardez dans la Genèse ce qui est arrivé. Regardez Samson, ce qui est arrivé. Regardez Salomon, ce qui est arrivé. Et tous ces types, nous les avons devant nous pour que les gens sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et ils sont partis. Ceux qui ne se sont pas préparés ne connaissent pas le son. Et ils sont morts. Beaucoup de gens sont morts. Les Romains ont détruit des millions de Juifs. Une armée est venue pour détruire. Pour accomplir la parole. On a détruit beaucoup physiquement. Et aujourd'hui, nous vivons un temps aussi où une armée de démons, une armée spirituelle de démons pour détruire, pour accomplir la prophétie. Il fallait les Romains, des démons, pour détruire, pour accomplir la prophétie. Aujourd'hui, aussi, ce qui est arrivé au temps de Noé, ce qui est arrivé au temps de Lot, tout ça, ce sont des démons qui vont revenir pour détruire l'Église. Alors, il doit y avoir des gens qui comprennent et qui vont fuir. S'ils ne comprennent pas que ça va se répéter, ils sont là en train de regarder, ils vont périr. Parce qu'ils n'ont pas compris le son de la trompette. C'est pour cela que Dieu puisse accorder la grâce. Il ne se doutait de rien jusqu'à ce que Noé est entré. Tout le temps que Noé parlait, ça leur disait. Tout ce que Noé leur disait, ne faites pas ça, ça ne leur disait absolument pas. Et quand Noé est entré dans l'arche, ça ne leur disait aussi absolument. Et même quand les apôtres ont quitté Jérusalem, même pour les autres, ça ne leur disait rien. Pour les autres, ça ne leur disait rien. Ils se sont simplement aperçus. Quand maintenant on détruisait, il n'y avait aucun disciple. Ils étaient à peu près 5 000. 5 000. Et aucun de ces 5 000 n'a péri. Tous ils étaient dehors. Parce qu'ils ont fait attention au message. Que le même Dieu fasse la même chose aujourd'hui. Pour qu'on comprenne que voilà ce qui arrive. Il y a des gens qui comprennent ça. Et qui vont se mettre en sécurité. Qui vont se protéger. Et le seul endroit où se protéger, c'est dans la parole de Dieu. Frère Banam dit dans ces derniers jours. Dans ces derniers jours, Ésaïe 4 va s'accomplir. Ésaïe 3, nous avons déjà lu au verset 4. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux.
Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard. Et l'homme derrière celui qui est honoré. Au verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Et des femmes dominent sur lui. Mon peuple sait qui te conduise et t'égare. Il y a les jeunes, il y a les femmes, il y a les prédicateurs. Ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Au verset 16, ce qui arrivera à la femme, à l'église, au verset 16 jusqu'au verset 26, et continue, frère Banam, continue au verset 4, chapitre 4. Sept femmes saisiront en ces jours un seul homme et diront: nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Je vais lire ça peut-être demain ou le dimanche. Les sept femmes qui vont aller saisir un seul homme. Ça ne se fait pas. Une femme doit aller vers un homme. Moi, si c'est que pas mais ici, cette femme, hein, pour montrer la perversion, pour la corruption. Pensa, hein, frère Banam dit comment la moralité va être très très basse. Cette femme qui vont aller vers un seul homme. Pour dire bon, nous mangeons ce que nous voulons. Nous allons nous vêtir comme nous voulons. Mais ce que nous voulons. Que tu puisses être notre amant. Que tu sois mon amant. Et cet homme-là, il a 3-4 femmes. Ils ne sont pas mariés, babalate, mais kasi. Donne-nous simplement ton nom. Nous voulons simplement vivre comme ça. Mais je sache que j'ai un petit ami. Et toi aussi diriger une petite amie. Bon, même si tu en as 4, il n'y a pas de problème. Nous n'allons pas faire la guerre, mais nous allons faire l'amour. Pas la guerre, mais seulement l'amour. Kaka bolingo. Et frère Badam dit que c'est une prophétie pour le temps de la fin. Ce qui doit arriver au temps de la fin. Dans 1 Timothée au chapitre 4. 1 Timothée 4. Verset 1. C'est 3. Mais l'Esprit dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier. De ne pas se marier. Des faux docteurs, des esprits des démons dans le dernier jour. Ne vous mariez pas. Il n'y aura plus de mariage. Vivez comme vous voulez. Marchez comme vous voulez. Mais se marier, non, ce n'est plus le moment. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera demain. Se marier, il n'y a plus de mariage au temps de la fin. Donc toutes ces prophéties, il y en a beaucoup. Comme il y a eu une armée pour détruire la ville de Jérusalem et accomplir la prophétie, on a envahi Jérusalem. Dans ces derniers jours,
pour accomplir tout ce qui est arrivé au temps de Noé. Pour nakokokisa manso masemene na tona Noa, des démons vont venir aussi. Milieu mabe bakoya pelokola pour envahir l'église. Pour nakotonda na kasi na losambo. Pour envahir le monde. Pour nakotonda na kasi na mokili. Pour ramener exactement ce qui est arrivé au temps de Noé, au temps de Lot. Pour nakozongisa penza penza o semene na tona na Noa pe na tona na Lot. Des démons vont arriver. Et c'est pour cela, comme nous sommes arrivés au temps de la fin. Et le temps de la fin, pour connaître le temps, il faut voir les Juifs. Et pour quand vous regardez les nations, c'est en 1945 que les Nations Unies, Les Nations Unies, ça a été fondé. En 1946, c'était les Juifs qui ont cherché à ce qu'ils veulent fonder une nation. Nous voulons avoir notre nation. En 1947, c'était le partage de Jérusalem. Les Nations Unies, ils ont décidé, comme il y avait conflit entre les Arabes qui étaient là avec les Juifs, comme ils se disputaient. Alors, les Nations Unies, toutes ces nations se sont réunies. Ils ont dit, bon, nous allons partager le pays en deux États. Une partie pour les Arabes, une partie pour les Juifs. Mais les Arabes, les Palestiniens, ils ont refusé ces partages. En 1948, les Juifs qui ont accepté cette partie, ils ont proclamé la fondation, la création de l'État juif. La création. Et celui qui était le premier ministre, c'est David. C'est comme un hasard. Mais c'est David Ben Gurion. En 1948. Et quand ça s'est passé, c'était en 1940-1945, il y avait des démons qui ont détruit les Juifs. Une armée détruisant les Juifs. Hitler, 6 millions de Juifs sont morts. 1940-1945. Hitler, il a détruit les Juifs. Abomaki Bayuda. C'était des démons. C'était une prophétie dans la Bible. En 1948, ils ont commencé à fonder leur État. En 1948, Frère Banam aussi, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à prêcher le message dans le monde entier. En 1946, l'ange va apparaître au mois de mai 1946. L'ange va lui apparaître pour lui dire, maintenant tu peux aller dans le monde entier prêcher le message.
avertir les gens. Ok, bisabato. Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera. Oui, c'est maintenant on a Noé et qu'on s'appelle Amoko. Ce qui est arrivé au temps de Lot arrivera. Oui, c'est maintenant on a Lot et qu'on s'appelle Amoko. 1940. On a détruit les Juifs. 1945. C'est la fondation des Nations Unies. 1948, la création. 1947, Branham a commencé à partir dans le monde entier pour prêcher le message. Et dans les années 1960. 1960, des démons qui ont envahi les Juifs physiquement, ils vont maintenant envahir l'Église spirituellement. Les mêmes démons qui ont détruit. Frère Branham dit, ces chevaux spirituels, ces démons spirituels, Hitler, Eichmann, qui ont détruit les Juifs, qui ont persécuté les Juifs physiquement. Maintenant, ces démons vont maintenant envahir l'Église. Spirituellement, des démons qui vont commencer à faire la guerre à l'Église. Pour détruire à partir des années 60. Un peu 58. Que Dieu puisse nous accorder beaucoup de grâce. Dieu vous accorde beaucoup de grâces. Frère Branham a prêché un message, l'invasion des États-Unis. Et en prêchant, il y a beaucoup de choses à lire, mais je vais aller. Il dit. Alobi. Paragraphe. Eteni. 175. Mokama na tuko sambona mitano. Je dis ça parce que les gars comme Arthur Godfrey. Nade koloba yango po ete mibalo kola Arthur Godfrey. Les autres qu'on voit partout ici. Ba suso de komo na awa mingi. Qui font les choses qu'ils font. Et un homme comme ça, qui est l'homme le plus célèbre du pays, c'était un musicien, un homme, moto, c'est une honte. Elvis Presley, ainsi de suite. Arthur, qui était des grands musiciens. Et les autres qu'on voit partout. Qui font les choses qu'ils font. C'est une honte. Je dis ça parce que je sens que le Saint-Esprit est ici. L'invasion a déjà commencé. Elle s'étend d'une maison à l'autre, d'un lieu à l'autre, d'une église à l'autre, d'un homme à un autre. L'invasion. Les Romains ont envahi Jérusalem. Ils ont investi la ville. Ils ont envahi la ville. Ils ont détruit la ville physiquement. Pour accomplir la prophétie. Hitler est venu. Il a encore détruit les Juifs. Pour maintenant les pousser à rentrer dans leur pays. Mais du côté spirituel.
de l'église. Kasi na ngambo ya losambo ecclesia, les démons ont changé de forme. Milio mabe wana babongoli motindo. Ils sont maintenant spirituels. Bakomi siko ya molimo. Pour envahir l'église. Bona kotonda na kati na losambo. Mes enfants. Bana na ngai. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christo. Élevez-vous. Botelema. En adoptant la norme de moralité de ces réveils et du Seigneur Jésus-Christ. Et dites, je prendrai le chemin avec les petits nombres de méprisés qui suivent le Seigneur. Oui, monsieur, je serai une vraie mère, je serai un vrai papa. Nakoza la tata ya solo solo. Frère Banam continue. Il est dit paragraphe 179. Aujourd'hui, les filles méthodistes portent des shorts. Banabasi méthodiste balataka bablo kamikuse. C'est saleté de petits vêtements. Biloko ya mbindo wana bilamba ya mikuse. D'ici 5 ans. Uta awa kino mibu mitano, elles seront complètement nu. Bango bakozala penza bolumbu. Les filles méthodistes septaient parmi les filles les plus saintes. Bana basi ya méthodiste bazaki katika ta bana basi bazaki penza ya boule. Les méthodistes. Ba méthodiste étaient très ils aimaient beaucoup la sainteté. Ba tamishoni bazaki kolinga mingi makamba bo santu. Les femmes méthodistes c'était des femmes modèles. Basi ya mishoni bazaki penza basi moko e bazaki kotali sa mailini. Mais déjà vers les années 50, 55. Na kata mibuya tuku mitano mitano. Elles commençaient à porter des shorts. Ba komeko lata blamba mikuse. Elles commençaient à porter des vêtements qui collent au corps. Ba komeko lata blamba yako kanga nzoto. Et petit à petit elles étaient en train de réduire leur jupe. Malé malé mais bazaki kokuto la bilamba na bango. Et à la fin frère Banam dit. Na suka newa lobi. Dans 5 ans. Na kata mibu mitano. On voulait femme méthodiste. Bino basi ya mishoni. Dans 5 ans, vous allez rester nu. Bokoti kala bolumbu. Et pourquoi? Pepo na nini? Dans 5 ans, na mibu mitano, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous les méthodistes? Et à vous, les prédicateurs méthodistes. Pena bino batei ba méthodistes. À vous les baptistes. Bino ba baptiste. C'est le diable qui a fait descendre ses puissances. Ezali Satan ande akitisi banguya na ye. Et il a installé ses petits démons ici. Pe atie milimu mabe na ye awa. Ces démons. Milimu mabe ici. Awa. Paragraphe 185. Aujourd'hui, Lelo, ils ont pris nos femmes, biso, les ont déshabillées. Elles sont là-bas dans les bureaux, wana na kati na bureau, partout dans la rue, bisika nyonso na banzela, alors qu'elles devraient être à la maison, zokande basengela ki kozala na ndako, devant la cuisinière, na kati na esika kolamba, préparer les repas, kolamba, mais elles ont envahi les bureaux, kasi bango batondi nde na kati na ba bureau, parce qu'elles veulent être économiquement riches. Ils veulent être financièrement riches. Qu'est-ce? C'est le diable. Ezali Satana. L'invasion a déjà commencé. Et ça, parfois nous les lisons concernant les femmes qui doivent aller travailler ici et là. Mais on ne fait peut-être pas attention. On a complètement oublié. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça produit? Des délinquants qui ont toutes sortes de problèmes dans la maison. Le prophète a montré en quel moment la femme peut aller travailler. Mais aujourd'hui, on ne fait plus attention à ça. Ce son de la trompette, ça ne dit plus rien. Maintenant, c'est l'amour d'avoir
d'avoir de l'argent, c'est l'amour de pouvoir soutenir les familles. Je dois soutenir ma famille. Même si le mari a des moyens, même si le mari a tout ce qu'il faut, si le mari n'a pas de moyens, ok. Mais quel travail aussi. Et les conséquences de tout cela. Aujourd'hui, frère Banamde, le diable, Satana, l'invasion a déjà commencé. Je ne dis pas que c'est cet individu ici ou bien c'est cet individu-là. Je dis que ce sont des esprits impurs qui prennent possession des gens, qui les poussent directement là-dedans. L'invasion des États-Unis. Des démons qui entrent. Le renversement de l'Église. L'Église qui a été renversée par le diable. Et pas une Satana. Dans ces derniers jours. Namikolomi Yasuka. Paragraphe 193. Ce démon, il a envahi les églises. Il a déshabillé nos femmes. Il a pris nos hommes. Si bien qu'on ne peut maintenant rien leur dire. Des démons. Vous allez à l'école. Les démons ont envahi l'école. Regardez un peu partout. Dans les pays aujourd'hui. Regardez-vous les protestants. Regardez aujourd'hui. Il y a quatre très grandes écoles catholiques qui ont été construites. Comment ça? Et vous les protestants, pendant que les catholiques sont en train de créer et avoir des écoles, vous vous regardez, vous envoyez vos enfants là-bas. Et eux, avec l'éducation, ils savent bien ce qu'ils sont en train de préparer. Les jésuites. By jésuites. Ignace de Loyola. Ignace de Loyola. Quand les protestants au temps de Luther. Tango ba protestant na tango ya Luther. Ils avaient gagné tous les terrains. Bango bazwa ki bisika nyonso. En Allemagne, en France, en Suisse. En Allemagne, en France, en Suisse. En Europe du Nord. Na Europe kuna kamba likolo. Isika nyonso. Les catholiques. Bah, catholico. Ignace de Loyola. Ignace de Loyola. Il est allé dire au pape. A kene ko ebisa na pape. Nous allons tout perdre. Tokobungisa nyonso. La réforme protestante va nous détruire. Kola mokaya ba protestant ko boma biso. Le seul moyen. Eloko nzela bobele moko. J'aimerais faire. Ona ya sala. J'aimerais avoir des soldats. Nalingi kozala na babundi ba soda. J'aimerais avoir des disciples. Nalina za na ba yekoli. Et avec pelongo na bango, nous allons créer des écoles. Tokozalisa bitelo. Nous allons avoir beaucoup d'écoles. Tokozala na bitelo mingi. Pape. Pape. Et avec ma philosophie, si je prends un enfant à l'âge de 7 ans, pendant 7 ans, je veux le changer et je vais en faire un catholique pour le reste de sa vie. La réussite du catholicisme
cette bête qui était blessée, qui est revenue à la vie, c'est à travers l'éducation. Si on crée des écoles, donne-moi de l'argent. Nous allons créer des écoles. Nous allons former les enseignants. Quand on en aura, nous allons prendre tous les enfants. Nous allons les enseigner gratuitement. Et puis, partout là-bas, nous allons les enseigner. Et après, tous les protestants vont amener leurs enfants dans nos écoles. Après 7 ans, c'est fini. Dans nos écoles, nous allons leur enseigner notre doctrine. Papa, moi je suis un psychologue. Je connais comment le cerveau humain réagit. Je sais que quand je prends un enfant, pendant un certain temps, je vais mettre sur cet enfant ça. Ça va rester comme ça pour le reste de sa vie. Alors donne-moi de l'argent. Le pape lui a donné de l'argent. Et il a eu des gens qui ne disent pas non. Qui écoutent ce que le pape dit. Ce que le pape dit, c'est ce que nous allons faire. Et il en a eu. Il a commencé à créer des écoles. J'ai tout un document, tout une. Ils ont créé des écoles. Et les protestants, protestants. Ont commencé à envoyer leurs enfants chez les catholiques. Mais là, c'est moins cher. Là, c'est gratuit. Là, on ne paye pas. Ils ne savaient pas ce que et les catholiques cherchent. Ils ont envoyé les enfants. Dans le pays où le catholicisme est dominé, là, ils ont imposé avec l'inquisition. L'inquisition, répétez l'inquisition. Na inquisition. On forçait les gens. Vous envoyez vos enfants, sinon on va détruire votre maison, on va tout détruire. Ils prenaient les Bibles. On brûlait les Bibles. Les livres de Luther. On les détruisait. Brûler l'inquisition en Espagne, l'inquisition en Portugal. L'inquisition en Espagne et en Portugal. Il y avait des édits. Si quelqu'un n'écoute pas ce que nous disons, on va le tuer. Et si l'Amérique a été fondée, ce sont des protestants qui ont fui la persécution. Qui ont compris qu'on ne sait plus vivre ici. Allons même mourir là en Amérique. C'est comme ça qu'ils ont fui en Amérique. Mais en Europe, s'il n'y avait plus moyen. À travers quoi? L'éducation. Et même en Amérique. Aujourd'hui, l'Amérique n'est plus protestante. Et l'Amérique est soutenue par protestants. Les catholiques sont allés là-bas. Ils ont créé des grandes universités. Ils ont créé des grandes écoles. Les meilleures écoles. Et tous les enfants sont allés là-bas. C'est ce qui fait qu'en 1960, l'Amérique a eu le premier président catholique. America azwa ki mokonzi ngwa liboso mo katoliko qui est un démocrate. Azwa ki démocrate. John Kennedy, le premier président catholique. Mokonzi mboka liboso katoliko 1960. Mabo atuko motoba au 61. Donc tuko motoba na moko. Il est resté là. Atikala ki wana
Et puis il y a encore l'autre qui est en 1962, 1963. Quand il est devenu président, en 1962, on a arrêté les prières dans les écoles. En 1963, on a interdit la lecture de la Bible dans les écoles. C'était le catholicisme qui était là. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Comme la Bible le dit. La femme s'est enfuie. Les démons ont poursuivi la femme. Regardez aujourd'hui. Vous allez à l'école. Des démons. Ils ont envahi l'école. Regardez un peu partout. Regardez. Vous les protestants. Regardez. Il y a quatre très grandes écoles catholiques qui ont été construites. Comment ça? Vous levez les barrières. Faites tout ça. Certains des catholiques, ils sont tellement fidèles à leur église. Et il y a de quoi vous faire honte à vous, le protestant. C'est une honte pour vous, les protestants. Pendant que les catholiques, comment ils ont gagné, c'est parce que là-bas, il n'y a plus question de tergiverser, de tâtonner. Non. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Et on y va. Parce que vous ne pouvez pas aller de l'avant avec des gens qui on ne sait pas s'ils croient ou bien s'ils ne croient pas. Avec cela, vous n'irez nulle part. Je crois que c'est ce que Frère Branham dit quelque part ici. Il dit paragraphe, je crois qu'il a dit quelque chose comme ça. Paragraphe 44. Il parle d'Akab. Il dit, c'est à peu près comme ça qu'ils font. Les gens qui sautent la clôture du pâturage de Dieu, ils s'en vont. Ils y vont aujourd'hui. Ils entrent. Ils sont à l'église. Où ils passent des moments merveilleux. Demain, ils vont faire bon marché de tout cela en échange de quelque chose d'autre. Et ils sont là. J'aimerais vraiment toucher à un point. Où il est aujourd'hui dedans, on ne saurait jamais à quoi s'en tenir avec un homme aussi instable que celui-là. Une personne qui fait profession d'être chrétien, instable. On ne sait pas quoi faire avec cette personne-là. Aujourd'hui, ils sont chrétiens. Demain, on ne sait pas où est-ce qu'ils en sont. À l'église aujourd'hui, ils se réjouissent et ils chantent. Ils louent Dieu. Demain, ils sortent boire, fricoter. C'est difficile de faire quelque chose avec. On ne sait pas qui il est. Des Judas qui vont trahir. Après, ils trahissent ce qu'ils ont dit que c'était la vérité. Aujourd'hui, il est ici. Demain, il est là-bas. Demain, il est là. Et c'est comme ça que dans la loi, on pouvait dire à un homme, si tu as une femme, et que la femme te quitte, et qu'elle devient le mari de quelqu'un, tu ne peux plus reprendre cette femme. Elle est déjà devenue la femme de quelqu'un. Elle est déjà possédée par quelqu'un d'autre. Qui l'a prise, qui lui a donné de la sémence. Et
Et aujourd'hui, vous allez voir des croyants. Aujourd'hui, il est dans telle église. Après-demain, c'est toi qui es mon pasteur. Pasteur. Et il reçoit la semence. Après moi, si non, je rentre. Zongi tu es mon pasteur. Yondo zali pasteur non. Tu es une prostituée. Ozali tu as déjà reçu la semence. On ne sait plus avoir confiance. Je ne sais pas ce que tu es devenu. Et après demain, vous voyez, il va aller ici. Si après demain, la troisième église, quatrième église. Un vagabond comme ça. Une femme. Moi aussi. Tu es mon mari. Aujourd'hui, c'est mon mari. Oh, mon mari. Oh, mon mari. Frère Banam dit, on ne saurait jamais à quoi s'en tenir avec un homme aussi instable. On ne sait pas quoi faire avec cette personne. Aussi instable. Et c'est pour cela que chez les catholiques, chez eux là-bas, on ne joue pas. Surtout les jésuites, ils ont compris que pour vaincre, pour ramener l'église catholique, il faut des écoles. Frère Banam dit, mais certains des catholiques, ils sont tellement fidèles à leur église. Il y aurait de quoi vous faire honte à vous les protestants. Non, nous sommes des protestants. Vous ne savez même plus protester. Vous protestez en quoi? Vous ne connaissez même plus votre position. Le catholique, il a son petit livre. Il peut vous dire qu'est-ce qu'il connaît. Branham dit, vous les protestants, si seulement vous étiez aussi fidèles à la Bible que sont fidèles à l'Église, ils ont tort. Mais au moins, ils sont fidèles à leur cause. Et vous les protestants, vous avez tort d'agir comme vous le faites. Hypocrite, les églises, c'est l'invasion des démons. Les églises lèvent les barrières. Et ils laissent entrer toutes sortes de choses à l'intérieur. C'est ainsi dit le Seigneur. L'invasion. Allez dans nos écoles. Regardez nos enfants d'âge scolaire. Regardez nos petits qui vont à l'école. Vous deviez voir ce qui se passe. Des petites filles dans les écoles, âgées de 14 et 15 ans, leur maman les envoie à l'école. Leur vie est gâchée du côté moral. Du côté mental. Des narcomanes, des drogués, des fumeurs, des cigarettes. Encore des enfants tout jeunes. C'est paragraphe 208. Hein. Dans l'invasion des États-Unis. Ça serait aussi difficile de trouver une vierge parmi eux. Vous voyez des garçons, elles sortent avec les filles. On apporte des couvertures. On s'étend au bord de la rivière et partout. Des garçons et des filles qui sortent, qui s'embrassent. Des protestants. Des pentecôtistes. C'est quoi ça? L'invasion des démons.
des écoles, des demoiselles qui s'habillent. Elles racontent à leur mère qu'elles vont à différents endroits. Elles ont des rendez-vous avec des garçons. Paragraphe 209. Des écoles, nos comtés, des demoiselles qui s'habillent. Elles racontent à leur mère qu'elles vont à différents endroits. Qu'elles ont des rendez-vous avec des garçons. Et maman, ok. Maman dit mina yo kende. Vous avez rendez-vous avec qui? C'est quoi nani? Avec tel. Na elenge songolo. Wapi esika songolo? Et les filles vont. Pe bilenge basi ngo ba kokende. Na ndiko kokutani wana. Na bokutani wana. Ah, on parle. Basololi, basololi, basololi. Et après, pe simana yango. Font même de la prostitution dans les rues. Bako sala tabondumba na balabala. Qu'est-ce qu'il y a? Et elle chante même dans les chorales. L'invasion des démons. Des choses insignifiantes. Et le papa, le soir, il rentre à la maison, il va prendre un peu de la bière et ainsi de suite. Quel sexe? C'est le diable. Ezali Satana. C'est le diable. Ezali Zabulu. L'invasion. Il a investi l'église. Ami kotisi penza na kati na losambo. Il a pris ce pays d'assaut. Akamati penza nzela na ya kobunda. Comme un lion rougissant. Loko lankosi ya konguluma. Il s'est installé ici. Ami kotisi awa. C'est ce qu'il y avait de mieux. Ezali oyo ezali malamo. Ici Hollywood. Awa na Hollywood. Et il a dit, Pealobi, le diable a dit, Satan a lobby, à partir d'Hollywood, Utana Hollywood awa, je vais prendre le contrôle du cinéma na komandasko ko konza ba film, hein, jusqu'à ce qu'il y ait la télévision. Kino ete TV zala, et à ce moment-là, je les aurai. Pe na tango wana na ko kamata ne bango. Et il s'est établi là. Pe ami kotisi wana. Il a commencé avec la télévision. Abanda qui na télévision. Hollywood s'est répandu dans le monde. Hollywood a pantanga mokili mobimba. Et ces gens, ils ont créé maintenant les téléphones. Peba tango bazaisa ko téléphone. Ils ont créé toutes sortes de choses. Bazaisa ki makambonyo so ndi na maison. Baté na ndako. C'est encore peu encore. Ba moni na ndako eza peta na moke. Je veux me promener avec eux partout où ils sont. Na ko tambola kana ye bisika nyonso bango bazali. Je vais m'occuper de partout, pas non. Simplement à la maison, pour leur donner du temps. Ou pendant toute la journée, ils vont penser à autre chose. Maintenant, je vais avec le téléphone, je vais aller avec eux partout. Si on a téléphone, et les gens d'église, au lieu de faire fermer le cinéma et de ne pas permettre à les enfants d'y aller, ils leur donnent 10 cents le dimanche. Ils les envoient là-bas pour jouer. Quelle honte! Maintenant, ils n'ont qu'à allumer la télévision. Ils peuvent y regarder toutes les saletés qu'il y ait dans le monde. Elle a commencé l'invasion. Maintenant, c'est l'heure. Pour toi et pour moi. C'est une heure de décision. Une heure de décision. Savoir si vous allez servir Christ ou bien rester tiède dans votre église. L'invasion des démons. Dans ce temps, hein, il a prêché ça à partir de 1960. Des démons sont entrés pour détruire l'église. Pour ramener le temps de Noé. Le temps de Noé. Où on trouvait des jeunes garçons avec des jeunes filles qui se rencontraient, avaient des rendez-vous, qui s'amusaient. Des garçons. De rendez-vous avec des filles. Ils se rencontrent là-bas, c'est la prostitution, c'est la débauche. Et à la fin, ils rentrent pour venir.
Et l'église ne fait pas attention. L'église ne fait pas attention au son de la trompette. Pour fuir. Ils ne veulent pas fuir. Frère Banam va montrer que nous vivons en un temps d'invasion. Il a prêché le message de la dislocation du monde. Donnez-moi encore une bouteille là. Je vais encore une fois vous montrer ce que c'est. Vous connaissez déjà. Dislocation du monde. Pourquoi il a prêché dislocation du monde? L'effondrement du monde. En 62. En 62, il va prêcher, nous vivons maintenant la dislocation ou l'effondrement du monde. Ça, ce ne sont pas juste des citations qu'on peut tirer à gauche, à droite. Vous devez prendre le titre et comprendre c'est quoi. Pourquoi Dieu lui a donné l'inspiration de prêcher ça. Pas juste tirer une citation à gauche à droite. Mais pourquoi il a prêché ça? Qu'est-ce que c'est que la dislocation? Parce que tu peux tirer une citation ici, dislocation, mais tu dis pourquoi il a prêché ce message? Et frère Banam dit, dans ce message de 1962, le monde se disloque. Est-ce que je peux avoir un verre, une bouteille? Paragraphe 45. Il dit, frère Banam, comme je l'ai dit, nous arrivons de nouveau à Noël. Le monde se disloque. Citons juste certaines des choses que j'ai inscrites ici. En train de se disloquer. Considérez l'immoralité. Jamais celui-ci ne s'est retrouvé dans une condition plus basse que ça. Jamais on a retrouvé le monde dans une telle bassesse d'immoralité. L'immoralité. La mort de la modestie. La mort. La modestie, la femme qui doit s'habiller correctement. La modestie, la femme doit s'habiller avec pudeur, avec humilité, pour garder la morale. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Elle ne savait pas. Parce que Dieu l'avait protégée. Mais qui lui a montré que c'était nu? C'était le serpent. C'est le serpent qui l'a déshabillé. Et après, elle a pris des feuilles de figuier. Et quand vous prenez les feuilles de figuier, ça couvre une partie. Et l'autre partie, ça ne couvre pas. Mais Dieu est venu avec la peau de l'animal. La peau de l'animal, il n'y a pas de trou. C'est dur pour habiller l'homme. Pour lui dire qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin, tu dois t'habiller comme ça. Et femme, c'est ça ce qui va maintenant vous garder la moralité. Vous êtes nus maintenant. Si je vous laisse comme ça, avec vos feuilles de figuier, quand ça sèche, vous êtes encore nus. Vous allez tomber encore dans la convoitise.
Mais alors je viens vous habiller pour que vous ne puissiez plus voir la nudité, pour que la moralité soit gardée. Et une vraie femme doit s'habiller correctement, montrer que je suis la gardienne de la moralité. Parce que mon corps, quand on regarde mon corps, ça amène la convoitise. Je dois protéger mon corps pour qu'il n'y ait personne qui voit mon corps et tombe dans la convoitise. C'est pourquoi Jésus dit, je vous ai déjà, la loi dit, si vous tombez, vous commettez adultère, vous irez en enfer. Mais moi je vous dis, quelqu'un qui regarde une femme, qui convoite, a déjà commis adultère. Convoité. Et pour convoiter, c'est le corps qui s'expose. Et c'est pour cela, en ce temps où nous vivons, qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? C'est la convoitise. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Balaam? Comment les gens sont morts? C'est la convoitise. Et aujourd'hui, la vraie église, le vrai croyant, dans cet âge de Laodicée, où les gens sont nus, aveugles, misérables, le même Dieu descend pour faire quoi? Habiller. Parce que bientôt, les élus de cet âge vont monter pour être avec Jésus sur le trône. Les habiller des femmes pour garder la moralité. Quand une femme n'a pas ça, c'est un démon. Et Salomon qui a expérimenté tout ça, qu'il y a quelque chose de plus amer que la mort, c'est la femme qui est en train de chercher de séduire. Elle est plus amer que la mort. Il faut préférer mourir que d'aller avec cette femme-là. Parce qu'en mourant, tu peux aller quelque part. Mais avec elle, c'est la porte de l'enfer. La moralité. Kibomoto. Les démons sont venus. La mort de la modestie. Koufa, la modestie féminine. Cette belle qualité que Dieu a placée dans la race humaine pour préserver le niveau de la moralité. Pourquoi? Pour nini? Car les femmes et les filles ont fléchi de manière innocente leurs genoux devant la déesse de la mode. Bango bagumbi mabongo na bango liboso na nzambe mwasi abilateli. Et n'hésite pas à confirmer l'extrême honte de style moderne. Ya sone ya lolenge akolata leloyo. Et l'apparence sexuelle est considérée comme légitime parmi même les chrétiens et les non-chrétiens. L'effondrement. Je vous ai déjà dit, c'est toute une bouteille. Pardonnez-moi, faites attention. C'est une bouteille, elle est entière. Elle peut servir à beaucoup de choses. On peut mettre de l'eau. Mais l'effondrement,
panzani. La bouteille s'est effondrée. Molangi panzani biteni biteni. C'est la dislocation. Ezali ko panzana. C'est l'effondrement. Ezali ko panzana biteni biteni. Un tremblement de terre est venu. Ko pa koninga mabele ye. La tour de bâtiment. Linongi nda ko nyonso e panzani bipesi. Un avion est tombé. Pepe koi. Les morceaux là-bas. Ba koloko tabipesi nangambo nangambo. Donnez-moi un peu quelques morceaux là. Vous regardez comment l'autre là-bas. Ça va, ça va. Ok. Oui, oui, oui. Hein? L'autre là-bas. Hein? Regardez ici. Même si ça semble être uni. Hein? Mais vous voyez les fissures là. Hein? Donc, à n'importe quel moment, ça semble être uni. Mais regardez. Vous voyez, comme si on est un. Il y a des morceaux là-bas. Il y a l'autre ici qui est là. Mais des fissures partout. Disloqué. Et panzani biteni na biteni. Des démons qui sont. Mili mo beba koti. Pour disloquer les. Pona ko panzalo sambo. La quand la l'immoralité entre. Tango bomo imabe koti. Qu'est-ce qui arrive? Nini salimaka. La dislocation de l'église. Ko panzana ya liso ya lokomba. Ko panzana ya lingomba. Quand l'immoralité est entrée dans l'Éden. Tango mbwe kota ina kata Eden. Adam et Ève. Adam na Eva. Ils n'étaient plus unis. Bazali sous mon côté. Ils s'accusaient. Bango ko fundana. Et à la fin. Nasuka na yango. On les a chassés de l'Éden. Kana ki bango na Eden. Dislocation. Ko panzana. L'immoralité. Bomo imabe. Et frère Bana me prêche la dislocation du monde. Pende komba te ko panzana na mokili. Même dans l'église. Atakati na losambo. Au temps de Noé. Na tango na Noa. Quand l'immoralité est entrée. Tango mwe kotaki. L'effondrement, la destruction. Kopanzana. Les fils de Dieu, ils étaient méconnaissables. Bana na nzambe ko yeba bongo lisusu te. L'immoralité. Bomo imabe. Aujourd'hui Lelo, dit, vous vous demandez pourquoi j'écris contre ces absurdités que nous avons aujourd'hui. En nous appelant chrétiens, les femmes s'habillent ainsi. Les hommes fument la cigarette. Ils se comportent comme cela. Et les ministres à la chaire font des compromis. Et ne vous permettent même pas de monter à leur chair pour parler contre ces choses. C'est ce qui est arrivé il y a 2000 ans. Quand Jérusalem a été détruite, il y avait des pharisiens, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, toutes sortes de trucs. Et aujourd'hui, c'est la même affaire. C'est ce qui est en train de se passer. La dislocation. La moralité. Des querelles politiques dans les églises. Des querelles politiques. Les gens qui se querellent. Vous disputez pourquoi? Ils ne savent même pas pourquoi ils se disputent. La politique dans l'église. Les querelles dans les dénominations. Ils se combattent. Toutes sortes de choses. La dislocation. Des querelles. Des querelles dans les Vous voyez des clans. Des clans à gauche, à droite. Vous voyez parfois des gens qui sont comme ça. Mais si Dieu ne leur fait pas grâce, après quelques jours, vous allez voir, ça m'a piqué. Regardez un petit morceau. Ça m'a piqué. Et tu bingai. Mais regardez qu'est-ce qui ça. Ni ezali ko bimana. Le sang. Makila. Vous voyez? Bon moni. Le sang. Makila. C'est le sang. Ezali makila wana. Voilà.
Ce n'est pas un grand morceau. Petit morceau. Qui peut s'y moquer. Et s'il y a des microbes de tétanos là-bas, c'est fini. Et s'il y a, j'attrape le tétanos. Et puis après, l'église va être comme ça. Des disputes, des querelles. Après demain, ça ne tombe plus. Hein. Ce n'est plus tombé, mais... Allongué. Tellement quoi? Pécili. Ce sont des démons. Et allez, mon abbé. Et les croyants doivent faire attention à tout ça. Pebandimi, basengeli koke bananyo soyo. Faire attention à tout ça. Kosala ke bana makambonyo soyo. Vous me suivez? Voilà qu'on a nangai. Faire attention à tout ça. Kosala ke bana makambonyo soyo. Dislocation. Kopanzana. Ce sont des démons qui sont venus. Oh, bah, yeah. Il y a encore un autre message, la dislocation. Frère Banam dit, dans ce message, paragraphe 87 ou 64, on va lire, on va terminer. Je me demande aujourd'hui, dans ces temps chaotiques, ces dislocations du monde prêchées le 15 novembre 63. C'est que Frère Banam dit que quand vous laissez le diable entrer au milieu de vous, ça va vous faire beaucoup de mal. Ça va blesser votre pasteur. Vous voyez comment je me suis blessé? À cause de la dislocation. 64. Je me demande aujourd'hui, dans ces temps chaotiques que nous connaissons, il faut bien peser les mots chaotique. Si nous ne sommes pas une fois de plus, nous voyons que le monde est à peu près dans la même situation. Comme au temps de Jésus. Le qu'on attend on a Jésus, il y a Jésus. Dépravation des mœurs. Et puis qu'on a battu baby kobeba. Dépravation des mœurs. Et puis qu'on a battu baby. La moralité. Le respect. Le respect envers les parents. Le même pas na baboti. Le respect envers la belle famille. Le même pas na bokilo. Le respect envers entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Le même pas na lenga mwasi pe lenga mobali. Le respect. Le même ya. L'unique fois quand Adam a vu la femme, quand Dieu est venu lui présenter la femme, il a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera Isha. Et ce n'était pas dans le but de se promener avec Ève. C'est pour la prendre en mariage. La dépravation des mœurs. Vous voyez la moralité partie. Il n'y a plus de respect. Les gens font n'importe quoi. Et ça devient normal. La politique est tombée en ruine. La vie religieuse est relâchée. La vie religieuse. Relâchée. On ne sent plus que ce sont des gens qui prient. On ne voit plus que ça, ce sont des chrétiens qui ont des mœurs assez particulières. Très fortes. Leurs mœurs relâchées. Plus de respect. Plus. On ne sait même plus qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Tout est simplement corrompu. Nous attendons quelque chose pour nous aider à en sortir. Quelque chose. Le monde entier était alors en train de se disloquer au temps de Jésus.
Et aujourd'hui, le monde aussi est en train de se disloquer. Pour se disloquer, frère Branham dit, paragraphe 121, il dit, c'est vraiment une honte que l'ennemi se soit emparé de nos femmes américaines. Les a déshabillées dans les rues. C'est une disgrâce. Déshabillées. J'ai regardé un livre des pentecôtistes des années 20. 30. Vous allez voir les pentecôtistes, comment les femmes étaient habillées, couvrant les corps. Extraordinaire. Aujourd'hui, ils vont dire, mais ça, c'est du vieux jeu. Mais c'était comme ça, les chrétiens. Et ça, là, qui bon monde, ma Christ. Quand aujourd'hui on leur montre ça, mais quand vous allez lui montrer une jupe qui monte, il n'est pas étonnant que les petits garçons et les petites filles se retrouvent dans la condition où ils sont aujourd'hui. Ils cherchent toujours à imiter une femme à Hollywood. Mariés 4 ou 5 fois. Elle va apparaître en une espèce d'habit qui la laisse nue. Et toutes les petites filles imiteront cela. Quel dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et cela est entré dans l'église. La précieuse vertu que Dieu a donnée à une femme d'être une mère a été gâchée. Si les femmes pouvaient comprendre que Dieu les a mis à l'honneur pour garder la moralité, moi je dois bien m'habiller. Je dois couvrir mon corps. Et pour l'homme, Dieu va faire quelque chose de spécial avec Abraham. Après la chute du temps de Noé, Dieu va appeler Abraham. Et en appelant Abraham, il dit, Abraham, je veux faire une alliance avec toi. Et le signe de l'alliance, c'est la circoncision. Pourquoi cette alliance, ce n'est pas un chapeau. Cette alliance, ce n'est pas un pantalon. Cette alliance, ce n'est pas une bague. Cette alliance que Dieu va traiter avec Abraham, c'est la circoncision. Et la circoncision, c'est où? Et pourquoi? Pourquoi là-bas? La moralité. Et les médecins, les gens de la science, ils ont vu pendant des années, il y a la circoncision, la circoncision. On doit enlever ce surplus-là. Cette partie-là, on doit l'enlever. Pourquoi on doit enlever cette partie? Ils vont se rendre compte que le prépuce-là, ça contient toutes les sensations sexuelles de l'homme. Ça se trouve là. Quand on enlève, c'est comme si on a enlevé 60% ou 70% des émotions sexuelles de l'homme. Et Dieu va dire là.
Et dans le Nouveau Testament, c'est recevoir le Saint-Esprit dans votre cœur. Quand tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit, tu es un homme sexuel. Dieu va dire, enlevez cette partie-là. La femme doit se garder. La femme doit se protéger. Doit se couvrir. Et toi, homme, tu dois être circoncis. Pour enlever toutes les passions de la chair. Et que le Saint-Esprit te donne la victoire. Et c'est pourquoi dans l'église éphésienne, Paul pouvait dire qu'on n'entende pas parmi vous, la débauche et toutes ces choses. Pourquoi on ne peut pas entendre? Parce que les gens sont circoncis. Et quand tu es circoncis, tu n'entreras pas dans le mariage avec la convoitise. Tu vas entrer parce que c'est le moment de Dieu. Tu vas entrer parce que c'est la volonté de Dieu. Et là, tu laisseras Dieu lui-même parce que le Saint-Esprit est en vous. Tu laisseras le Saint-Esprit t'amener la femme. Comme Isaac, il avait le Saint-Esprit. C'est pourquoi il pouvait laisser Eliezer. Lui amener la femme. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Et quand tu commenceras ton mariage, quand tu verras une femme, ce n'est pas la convoitise. Et tu vas la respecter. Et ce sera une bonne femme. Tu ne vas pas la toucher parce que tu es incirconcis. C'est pourquoi tu veux toucher les femmes. Tu dois être circoncis. Et regardez dans le désert. Il n'était pas circoncis. Moïse avait oublié de circoncire le peuple. Ils sont sortis. Tous les enfants qui étaient là, qui sont sortis dans le désert, ils n'étaient pas circoncis. C'était le peuple de Dieu. Mais ils n'étaient pas circoncis. Quand ils arrivent, ils traversent le Jourdain. Josué, Dieu dit à Josué. Josué. Tous ces gens qui étaient là, ils ne sont pas circoncis. Maintenant, quand ils vont entrer dans ces pays, où il y a des femmes nues, il y a toutes sortes de choses, ces gens vont tous tomber. Ils ne seront pas capables de vaincre. Circoncile. Parce que ces nations sont des nations qui ont la débauche, l'impudicité, les femmes nues, toutes sortes de saletés. Regardez le temps de Josué. Le péché, c'était à Akan. Zaki Akan. Il est allé voler. Akinaki koyiba. Mais vous n'allez pas entendre le problème des femmes. Bokoyo kati makambo abasi wana. Il n'y a pas de problème des femmes. Makambo abasi kune zala kite. C'était uni. Zaki. Josué. Yosua. Josué. Yosua. Toi. Yo. Que le Dieu de Moïse. Zambena Mose. Soit avec toi. Asa lelongo na yo. Regardez dans le pays. C'était rare. Une prostituée qui vient à Dieu. Dans le pays. Mais regardez dans le désert. Dans le désert. Là où ils étaient là, incirconcis. Incirconcis. Balaam. Il prend les femmes. Il les amène là-bas. 24 000. Mourant. Bakoufi bongo. Les passions du monde. Bah, en Égypte. Dans le monde. Na mokili. En retournant. Dozonga. Incirconcis. Basangi kokata mangenga.
la dislocation. Kopanzana. C'est pourquoi l'église s'est effondrée dans le désert. Mais aujourd'hui, Kasilelo, frère Branham dit, Tomalobi, la précieuse vertu que Dieu a donnée à une femme a été gâchée. Et baby, la femme s'est exposée. Moi, c'est amitié, on a le boulot pour le polele. Maintenant, quand toi, femme, tango yo moisi, la poudre, t'es poudre, toutes sortes de trucs, bilou quoi, ndenge nandenge, parfum, bah malasi, pour que tu sentes le, pouté, obi mama malasi amalamo. Et tu vas te retrouver devant un garçon qui vient à l'église mais qui n'est pas sûr. Okozo amaliboso elengomba limoko, ayaka rosambo kasi ya katama ngengate. Wa. Ça va se terminer où? Ekosuka wapi? Dans la fête de Baal-Péor. Na katina elambo ya Baal-Péor. Et notez Pebo simba malamo que les Moabites et ba Moaba avec Balaam, ce n'était pas des pires païens. Na ba pagano ya solo solo te ya bongo ya pagano te. Les Moabites. Ba Moabites étaient les enfants de Lot. Bazalaki bana ya Lot. C'était la postérité de la fille de Lot. Et c'est là qui Bakitani ya mwana basi ya bana basi ya Lot. Lot et Abraham c'était des cousins. Lot na Abraham zaki bandeko. C'était des cousins. Bazaki bandeko. C'était des frères. Bazaki bandeko. Moab et Israël c'était des frères. Moab na Israël bandeko. C'est pourquoi il les a eu facilement. Ya mwana bazaki bango na pété. Tous bandeko té. Nous sommes ceci. Tosaboye. Mais tu n'es pas sauvé. Toi, tu es Moabite. Yo za Moaba. Tu n'es pas circoncis. Yo katamangengate. Mais comme eux aussi dans le désert. Il n'était pas circoncis. Katamangengate. Il n'était pas sous la véritable alliance. Bazaki na sebo yo kania solo solo te. C'est ce qu'on a vécu dans les. Yangwana to monaki na katina lisobe. L'effondrement. Kopanzana. C'est vraiment dommage. Ils allaient penser pas si. Je sais que les gens, Branham dit, je sais que les gens n'aiment pas ça. On veut les inviter à toi l'ingara boité. C'est parce que ils sont épris du plaisir. Ils allaient poiter bango bato nsa mina boli ba bi bi. C'est vraiment dommage. Ils allaient penser mawa. Que les choses se passent telles que ça se passe. Kamboé sel manenga osa le maboyé. Ça fait très longtemps. Et l'équipe bomingi. La précieuse vertu des femmes. Libongi a solo solo ya mwasi. Leur belle robe. Et mola la mana mwa kitoko. Ils se sont prosternés devant la déesse de Hollywood. Lelo bafu comme le mongo liboso na nzambe mbilati ya Hollywood. C'est la vérité. Ils ali solo. C'est vraiment dommage. Ils ali penza mawa. La colonne vertébrale a été brisée. Moko moko ngebukani. L'attrait du sexe. Ko benda mana kambo na nzoto. Et bien des fois considéré comme une mode. Mbala mingi yango ya moni yango lokola makambo ya mikoloyo. Comme étant moderne. Lokola neti ya makambo ya mikoloyo. Les gens s'habillent. Batwa kolata. Et toutes ces choses. Mbala kambo nyoso wana. Ne sont qu'un grand fratra qui s'infiltre dans l'église. Ils ali kaka makambo mine ya ko panza na yako taka dans le sambo. C'est vraiment dommage. Ils ali penza mawa. Que c'est l'église parmi nous les pentecôtistes. Oh peuple, oh, arrêtez-vous et réfléchissez. Il se peut que vous me traitiez de fanatique aujourd'hui. Mais aujourd'du jugement, vous me serrerez la main parce que je vous aime. Pour la lingi bino. D'un amour divin. Na bolingo na nzambe. Le Seigneur vous bénisse. C'est mon pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part. Thank you.
Les démons sont venus pour disperser l'église. Frère Banam dit que toutes ces autres choses se disloquent. L'Amérique se disloque. L'Europe se disloque. L'Asie se disloque. Le monde entier se disloque. Nous sommes dans un royaume. Un royaume éternel. Un royaume inébranlable. Et ce royaume, c'est en Jésus-Christ. Et Branham dit, si nous sommes des fils et des filles du roi, comportons-nous comme des chrétiens. Par notre caractère. Oui. Nous sommes des étrangers. Nous sommes des pèlerins. Ce monde, ce n'est pas notre monde. Nous cherchons un royaume à venir. Ceci n'est pas notre patrie. Ainsi, vous n'avez pas à prendre le monde comme modèle. Vous n'avez pas à prendre une espèce de vedette de cinéma. Vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Agissons comme Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles du roi. Que notre caractère reflète sa présence. Peu importe combien cela devient difficile, il va nous aider. Prions le Seigneur. Nous élevons nos cœurs
Nous voyons tous ces signes devant nous. C'est vrai, Salomon, Samson, quand il est tombé dans ses péchés, la chose la plus triste, on lui avait crevé les yeux pour qu'il ne puisse plus voir. Il était devenu aveugle. Et c'est ce que le diable a fait dans cet âge. Les démons de l'enfer. Ils sont sortis depuis de l'abîme. Parce qu'ils savent que c'est fini. Ils savent que c'est la dernière bataille. Ils savent que c'est la dernière génération. C'est fini, c'est terminé. Et c'est leur dernière bataille. Et ils veulent la livrer. Pour amener le plus grand nombre en enfer. Père bien-aimé, Tata Molingami, accorde-nous la grâce. Nous qui avons entendu le message, nous qui avons entendu la trompette, laisse que ce message devienne clair pour nous. Que nous puissions comprendre ce message. Afin que nous puissions marcher conformément à ce message. Nous puissions danser quand il faut danser. Nous puissions nous lamenter quand il faut se lamenter. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Que nous puissions agir. Nous puissions mettre ta parole en pratique. Ce n'est pas par notre force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur. Les démons envahissent les mondes, envahissent les églises. Ils sont partout, partout. Mais Père bien-aimé, toi qui as gardé les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte, toi qui les as préservés, qui es le même Dieu, si parfois, même dans une même ville, il peut y avoir la pluie d'un côté, de l'autre il n'y a pas de pluie. Peut-être même dans un même quartier. Pourquoi? À un endroit il y a la pluie, et l'autre là il y a sec. Qui est le même Dieu? Quand le jugement tombe ailleurs, que toi tu nous préserves, que tu gardes tes enfants, que tu les remplisses de ton esprit, que tu les remplisses de ton amour, que tu les fasses entrer dans ton royaume. Que l'Esprit de Christ entre dans chacun, Seigneur. Alors qu'ils ont entendu la parole et qu'ils ont prié, que toi tu leur accordes la délivrance, Seigneur. Nous ne venons pas pour entendre, juste pour sortir. Nous voulons que ce que nous avons entendu puisse germer dans nos cœurs. Laisse le Saint-Esprit entrer, Seigneur. Circoncire nos cœurs, circoncire nos âmes, afin que nous puissions te plaire. Accomplis ta parole dans nos cœurs. Tu as dit aux apôtres de prier. Nous aussi, Seigneur, nous prions, nous sollicitons ta grâce. Ne nous laisse pas mourir avec le monde. Épargne tes enfants. Délivre, Seigneur. Et que ceux-là qui sont enchaînés par le diable, et que toi tu les délivres totalement. Parce que toi tu es Dieu. Père, fais-le. Que ceux qui sont malades soient guéris. Fais-le, Père. Nous sollicitons cette grâce. Accompagne tes enfants. Bénis-le. Parle à chaque cœur. Alors qu'ils seront là dans leur maison. Et toi tu leur parles. Accompagne chacun. Et bénis-les, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Merci. On va se rencontrer demain. Pour continuer, j'avais voulu vous montrer un peu
quelques de nos frères de Lodia, qu'on va voir ça demain. Combien vous avez des frères un peu partout qui persévèrent, des sœurs qui persévèrent. Merci beaucoup pour ce soir. Que Dieu vous garde, vous accompagne. Merci beaucoup, merci beaucoup.